Salut à tous, c'est Geekman, j'espère que vous allez tous très très bien, car aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une petite vidéo Black Ops 3 tout simplement. Ça faisait un petit bout de temps que j'en avais pas fait, 2 mois à peu près, je pense, depuis la vidéo justement Toy Story, voilà. Du coup j'aimerais un petit peu recommencer les petites custom maps zombies, donc aujourd'hui on va s'attaquer à Hijacked. Donc Hijacked, map de BO2, hein. Je pense que vous connaissez, si vous jouez en tout cas dans la série Black Ops, ou vous connaissez. Cette map elle est sur Call of Duty Mobile et Call of Duty Black Ops 2, voilà. Très cool map. Et voilà, il y a un petit secret sur la map. Je l'ai pas faite la map de mon côté. Mais par contre, je l'ai déjà regardé. Voilà. Là, nous nous retrouvons sur Hijacked. Voilà. Ouh putain, ça lag un petit peu. Ça va se calmer, vous inquiétez pas. Hop, c'est bon. Voilà, donc belle map. Petite ambiance brouillard, hantée. Donc franchement, j'aime bien, j'aime bien. Bon. Je pense, ouais. Je sais pas par où on va commencer, mais déjà on va peut-être se craft quelques zombies. Je pense que déjà on va se craft le couteau là à 3000 points, comme ça jusqu'à la manche 10 je peux mettre des coups de couteau. Ça peut déjà être bien. Hop. Allez c'est parti. Alors, merci. Bon on va voir là-bas. Je sais pas où il est ce petit zombie. Et ça dégage. Voilà. Je sais pas si on se prend revive direct. En vrai, on sait jamais, donc je pense que je vais le prendre. Allez, hop, parti. Voilà les petits atouts. Hop. Donc, dans mes souvenirs, on pouvait aller sur ce bateau-là et ce bateau là-bas. Ça va être cool. Voilà. Oh putain, lui, il est vénère. C'est incroyable. Putain, il a couru vite, hein. Hop, c'est parti. Je pense qu'on va pouvoir acheter notre première porte. Hop, voilà. De toute façon, il est là le couteau. On n'a plus qu'à le prendre. Il me semble qu'à l'étage, il y a la... Il y a, comment dirais-je voilà, le courant. Tranquille. C'est parti. Et une petite pièce. Voilà. Et une petite pièce, c'est cool. Bon, alors mes petits zombies. Ici, il y a quelque chose aussi, mais je sais plus quoi. Putain, quel connard! Il voulait pas s'approcher juste pour pas se faire tuer, quoi. Allez, petit carnage. Tranquillement. Ça m'a fait pas mal de fric là. J'espère avoir le couteau bientôt. C'est parti. On va refaire quelques fenêtres pour se faire gagner des petits points là. Hop. J'ai fait mon malin. J'aurais pas dû. À deux doigts de mourir dès le début, quoi. C'est pas cool. Franchement, j'hésite à prendre ma première arme. Ouais, parce que là, manche 4, ça va être chaud. Là. Voilà, on prend cette arme pour les affaiblir et pour gagner 3000 points pour acheter le couteau. Et comme ça, jusqu'à la manche 10, on gagne 120, je crois que 120 points quand tu tues un zombie au corps à corps, donc c'est pas mal. Voilà, c'est parti. Pas mort? Malin, hein. Parti. Parti. Elle est puissante cette petite arme. Compacte mais puissante. Parti. Oh putain. Il me faut bientôt masto, je pense. Donc ce qu'on va faire, on prend le couteau là. S'il veut bien. Merci. Voilà, hop. Petite lame en feu. Ça fait plaisir. Hop, on va rétablir un petit peu les fenêtres. Voilà. En fait, deux balles dans la tête, ouais, ça les tue.
Il n'y a pas beaucoup de zombies qui arrivent ici. Oh, ils arrivent tous par là-bas, j'ai l'impression. Ça va avoir des duels, effectivement. What the fuck? Il marche décapité le truc. Ça fait assez longtemps que j'ai pas joué à BO3 et ça, c'est un petit retour, ça fait du bien quand même. Parce que du Battlefield, du Fortnite, du GTA 5 tout le temps, c'est voilà quoi. Hop. Mort instantané. Hop. Bah tiens, j'ai couteau. Ouais. On va en profiter. Masto, je vais pouvoir l'avoir bientôt. Il est là. 1500, allez. Où il est? Là-bas. Je le prends. Le dernier, il va courir comme je sais pas quoi. Il crie, mais il se fait buter à la fin. Petit nounours, il fait rien. Là, on a le principal atout. Il y a peut-être l'un tout courir vite, que j'aimerais bien voir. Il est juste là, d'ailleurs, je crois. Ouais, ouais, c'est celui-là. Putain, on shoot. Hop, parti. Allez, on est victime un petit peu au couteau. Profitons dans la manche 6. Allez, hop. Oh putain. Je m'y attendais pas. Hop. Ok. Je vais prendre cet atout juste au début de la manche. Donc il mettra. Sinon. Et par là on n'a pas trop fouillé. Hein. On va peut-être aller faire un petit tour. On va rebâtir. J'ai les balles limitées donc autant profiter. Hein. Lui il rentre dans le mur hein, carrément. Hein. Enfin, faut pas courir dans ce jeu. Hein. J'ai 5000 points, donc tu sais quoi? Alors, soit je prends courir, non, je vais aller explorer quelques endroits. Voilà, il me reste deux zombies. 3, allez, hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Pourquoi j'ai perdu tout mon argent là? J'ai perdu. Ouais, c'est pas grave. On peut pas ouvrir. Si, si, on peut ouvrir. Voilà, on arrive ici, d'accord. Voilà. Si on prend ça, il me semble que ça fait un truc. Ah voilà le petit secret. Là, il y a un petit atout, comme on a vu. Hop, là aussi. Et là, il me semble qu'il y a une pièce. Il y a une pièce d'un... pour l'armure, là. Alors... où es-tu, ma petite pièce? Allez, elle est là. Voilà, comme ça. Là, on a à peu près deux pièces sur 3 ou 4. Donc, il y en a encore une ou deux dans le bâtiment après. Et on va retourner là-bas. Voilà, on atterrit ici. C'est assez sympa. Hein. Voilà, il y a ici. Donc, alors, ici. Non. J'ai peut-être pas assez de munitions pour finir. Est-ce qu'on peut la construire? Ah oui, on peut la construire. Voilà. Donc franchement, je vous dis, armure assez efficace. Deux. Regarde. C'est trop bien.
Voilà, quand t'es dans la merde, tu fais un petit truc comme ça, et ça fait le taf. Bon, moi je vais aller me chercher une arme au distributeur. À la boîte Pister, c'est parti. Avant que. Vite, grouille-toi. Allez, ah putain, la petite technique glissée là. Hop, c'est parti. C'est quoi ce bordel? Waouh! Bon, écoute, c'est mieux que rien en vrai. En vrai, là, on est manche chute, donc je peux encore les piocher au couteau. Voilà, hop, comme ça. Franchement, on n'a qu'à faire ça. On essaie d'avoir tous les atouts, et puis après, on se laissera là-dessus. Hein. Hop. Parti. Hop. La victimisation quoi, le couteau quoi. Là, je peux courir plus vite, hop, c'est parti. Bon, bah là on a fait le secret un petit peu du jeu, il reste plus qu'à avoir tous les atouts, hein. C'est parti. On craft tout ça, là il y a un petit bobo game gratuit il me semble. Voilà, exactement, c'est parti. Activer 3 manches entières, viser plus vite et déplacer plus vite en visant. C'est cool. C'est le shoot, oui, c'est passé. Munition max. Putain, j'aurais dû attendre de recharger. C'est pas grave. Y a quoi ici? C'est quoi ça? Daiquiri, d'accord. Là, il y a un truc, il me semble. Il y a quelque chose ici. Je sais plus vraiment ce que c'est. C'est un carnage, je le conçois. Bon, on va prendre Daiquiri. Hein. Le but, c'est d'avoir tous les atouts de toute façon, donc quoi qu'il arrive. Donc, il y a quelque chose ici. Ok, required on open the door. Ah, donc c'est pas fini. Ok. Bon, bah, on a qu'à prendre la bombe atomique. Hein. Parti. Je sais pas ce que c'est. Open the door. Ouais, donc il faut une clé. Mais la clé, comment l'avoir? Le problème, c'est ça. Pas ici. Non. Je pense qu'il faut avoir tous les atouts pour l'avoir. Enfin, je pense, hein. Après, je suis pas sûr, hein, mais... Ok, voilà. Comme j'avais dit, c'est la manche... à partir de la manche 10, tu peux plus piocher les zombies. C'est là que maintenant, ça va devenir chaud. Enfin, même si la map est assez calme, hein, n'empêche. Hein. J'avoue que on peut assez facilement tourner avec les zombies. Donc bon, c'est pas bien grave, quoi. Ouais, c'est parti. Hop. Voilà, et là ils sont ralentis donc écoute, je peux leur victimiser leur race. Ok, fin de la manche. Du coup, alors, il y a ici, il me semble, voilà. S'il y a quoi? Attendez, il y a quoi? C'est quoi ça? Coup de pierre en arrière. Bah écoute, de toute façon, il faut tous les atouts. Donc, on va pas se gêner pour acheter. J'aimerais avoir l'atout où t'es excité là pour recharger. Recharger plus vite et tout là. C'est parti. Merde. Je suis dans une impasse là. Je fais n'importe quoi. On prend ça. On nique tout le monde. C'est parti.
Allez, c'est parti. Personne. Allez, plus personne, hein. On chie dessus, hein. Bon, c'est parti. Donc, je crois que la toux est pour recharger plus vite. Il est là, voilà. Super cola. C'est parfait. Moi, je peux pas activer le bateau, genre. Imagine, on se barre et tout. Ça, c'est hyper stylé. On va prendre le flagship. D'accord. Merde, j'ai plus de toile. Oh, j'ai pas fait attention. Bon. Faut se casser. Je sais pas quoi prendre. Bon. On va prendre quoi, on va prendre quoi, on va prendre quoi. Comme ça. Putain, 1300 quoi. Allez. Putain, merde. S'en fout. Allez. Ma petite Kalachnikov là. C'est parti. Faut reprendre un peu tous les atouts parce que. Yeah. Allez, c'est parti. Merde. Putain. On a pu tuer les derniers là. Le chargeur il est énorme mais je suis pas habitué. Allez, c'est parti. On va se prendre l'autre là, tout là. J'ai plus d'armes par contre. Hop. On va peut-être lâcher une petite grue ici. Non, on n'ose pas renvoyer. C'est parti. J'espère que j'aurai pas un nounours parce que là, mec, je suis dans la merde. C'est bon. Ok, c'est parti. J'ai que ça, donc écoute, on va faire le taf. Bon, allez. Ok, je peux avoir 3 armes. D'accord. Je savais pas. Du coup, on a la toux pour l'excitation là. Et puis, il reste la toux, Valkyrie. Et puis, peut-être Voodoo et Vautour. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on a résolu le secret. Donc, on essaie d'aller jusqu'à la manche 20 et puis on se laissera là-dessus, je pense. Je pense d'ici là, j'aurai tous les atouts. Oh putain, le carnage. Je pense que si je campe ici. Yes, putain. Oh, mon sauveur. Non, franchement, si je campe ici, je suis dans la merde. Ouais. J'essaie de faire un bon petit carnage là. Oula, ça grouille de zombies là. C'est parti, on essaie de faire notre mieux. Bon. On a un peu fait le ménage. Il en reste un peu, mais pas beaucoup. Ah, allez, chier. C'est parti. Ça dégage. Bon. Peut-être se racheter une petite arme parce que on est un petit peu dans la merde, tu vois quoi. 4 zombies. Ça va, ça va. Putain, pistolet éclair quoi. Je prends. Putain, c'est de la merde ce que je me prends. Putain.
Moi qui voulais avoir une autre arme, bah non, non. Je suis puni. Donc. Oui, bye bye, ouais. Quoi? Quoi, c'est l'heure de la brader? Et quoi? Bon, écoute, c'est mieux qu'un 1. C'est bon. Alors. Oh, je peux camper ici? Ah, le petit glitch! Bah, c'est quoi ça? Ok, d'accord. Ah, ils peuvent pas m'atteindre là, je crois. Merde. Merde. Ils peuvent finalement aller avec moi. Putain, je croyais qu'ils pouvaient pas m'atteindre. Allez, ça dégage. Je sais pas où aller la boîte là. Ok, là-bas. Bon, je crois qu'on va se laisser là-dessus, d'accord. Bon, on s'améliore pas trop, c'est dommage, hein. Mais bon, on a résolu le secret. Enfin, genre le petit, la petite boîte, voilà, c'est ça les custom mode zombie, genre. Il peut avoir aussi des jeux d'armes. Je pense que la prochaine vidéo zombie, ça va être un petit jeu d'armes pour vous. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qu'on peut faire grâce au custom mode zombie. Le but principal, évidemment, c'est de résister. Mais bon. Hop. Hop. Je vais prendre ça. Parti. Et hop. Ouais, vous savez quoi? Je vais essayer de résister sans atout. Ça va être marrant, tiens. Je vais vite crever, mais c'est pas grave. C'est quoi ce bordel? Putain, mais je peux prendre des armes. Mais... Bon, c'est la même que tout à l'heure, quoi. Putain, mais c'est quoi ces armes de biteux? Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Je pense que je vais faire un petit tas. Hop. J'attends qu'il y a pas mal de zombies. 43 zombies, en vrai, ça fait gros sur une carte. Surtout quand ils seront entassés là. Ah là. Ça fait un carnage, hein. Ils aiment pas. Hein. Ah ouais, en fait, ça a vidé le tas, carrément. Et hop. Allez, on met un petit coup. Allez, un autre. Gros taser, là. Je vais éviter d'user mes munitions, je pense. On va partir à l'autre arme. Hop. Mission max, c'est cool. Où est le dernier? Putain de merde. Ouf, c'est mort. Non. Voilà, on lutte la manche. Je pense qu'on aura résisté, ouais. On va essayer d'aller jusqu'à la manche 20, après ça devient
Ouais, disons que le jeu, ouais, il commence petit à petit, mais une fois que vraiment t'as mangé 20, ça commence à craindre. Hein. Vraiment. Alors là, on a 50 zombies, c'est plus 7 zombies à la fois. Là, 7 zombies sur une carte, c'est gros. Hein. Et hop. Heureusement qu'on peut faire les glissades. Hein. Ça franchement, c'est typique au Call of Duty, mais franchement, c'est vraiment magique. Sinon, on ne pourrait rien faire, je pense, sur les gens. Je pense qu'on a assez de zombies. Éliminer plus de 15 zombies, là. Allez, j'espère que le thème va se renouveler. En vrai, on peut durer comme ça sur peut-être 50 manches, mais bon, après, c'est devenu un chiant, quoi. Hop, parti. Moi, j'ai vu un truc ici. C'est quoi ce bordel? Attends, j'ai vu un truc dans la boîte. Je crois qu'il s'est ouvert. Attends, c'est quoi? C'était quoi? Putain. Bon. Bah écoutez, ce fut un plaisir de découvrir, enfin de redécouvrir cette map en temps réel, parce que bon, j'avais vu sur YouTube, mais bien, franchement, elle est bien sympa la map, hein, et bien refaite surtout. Les détails sont bien faits, franchement, le créateur GG. Et bah du coup, bah moi je vous dis ciao les gars, et puis à la prochaine pour une petite vidéo, je pense. Alors je sais pas ce que je vais faire encore, mais je pense que ça va être un crack. Clairement, je vais recommencer un petit peu les cracks, mais voilà. Et sinon, pour la prochaine vidéo Custom Map Zombie, ce sera un jeu d'armes, tout simplement. Vous allez voir. Enfin, ça va être assez cool. Donc, bah, moi, je vous dis ciao et à la prochaine, les gars.